plus ça va, plus il y a des personnages qui ont pris presque la vedette sur moi. C'est-à-dire la Dolly, entre autres, que j'ai créée pour les soirées électro de Dolly Party. Elle est tellement mignonne que ça m'est arrivé de faire des œuvres où j'ai complètement oublié de me mettre. Donc du coup, en réalité, à force de rajouter des personnages, je disparais presque derrière les personnages. Donc c'est peut-être l'âge qui fait que je suis un peu moins narcissique. Et il n'a pas tenu en fait parce qu'il a envie de plaire au plus grand nombre. Donc il y avait le jaune, le vert, le rouge, le bleu. Et donc moi j'étais censé être sur le cercle jaune qui représentait l'art, le message. Et je ne pouvais pas sortir de là, mais on ne pouvait pas m'approcher non plus. J'étais le télartiste, j'étais inné, il fallait qu'il devienne une créature, parce qu'il pouvait plus, il n'avait plus le temps d'être un créateur à travers l'image en direct. Parce que l'image en direct, elle ne permet pas de transmettre l'histoire de l'art. Donc je disais que si la Joconde avait été en direct, à la télévision, l'art de Vinci aurait trouvé de moi. Mais on le voit par exemple aujourd'hui, médias permettent de jouer différemment. C'est la preuve, par exemple, si on regarde Lady Gaga, c'est quelqu'un dont on n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être connue en changeant son arrêt de style.